Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Assassin's Creed Origins, donc pour l'épisode 7. Donc vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais là, puisque si vous reconnaissez un petit peu, on est à Siwa. Alors pourquoi je suis revenu à Siwa? Tout simplement parce que vous pouvez le voir déjà que je suis passé niveau 12, pardon. Et je me dis qu'il y a quand même quelques quêtes qui avaient l'air sympatoches à Siwa. Il y a des trucs que j'aimerais faire, notamment ça, qu'on avait déjà fait une première fois dans la vidéo précédente, je crois. Donc c'est le cercle de pierre d'Amon, voilà, donc faut aligner les étoiles, enfin espèce de petite énigme. Donc ça, en plus, ça montre quelques souvenirs avec Kemu, donc le fils de Bayek. Et il y a aussi une autre quête là-bas, de ce que j'ai vu. Apparemment, alors c'est peut-être pas piller les trésors, non c'est ça, voilà. La guérisseuse, apparemment, c'est une quête en lien avec la femme qui est venue justement nous guérir au début du jeu. C'était dans l'épisode 1, en fait. On devait, avec Ephesa, retourner chez lui. Et il y a une femme, je sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs, de toute façon, on aura l'occasion de la voir, qui nous a soignés, vu qu'on était, bien amochés, et puis en plus, on était... dégueulasse, on était plein de sang, donc voilà. Elle nous a remis à neuf. Donc voilà, je pense qu'au niveau scénaristique, ça peut être intéressant de le faire. Et qui plus est, bah forcément, ce genre de choses, je vous le fais en vidéo. Donc on va faire ça. Et puis après, sûrement, bah je retournerai du coup là-bas. Puisque j'ai un point de sauvegarde. Hein, donc c'était sur ce temple-là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Donc où je pourrais me téléporter, parce que là, pareil, il y a une quête, vous voyez, donc on pourra faire directement. Donc sinon j'ai exploré un petit peu, vous voyez c'était peut-être pas ouvert à ce point là, j'ai pas pris les points d'observation parce que j'ai pas voulu aller trop loin, j'ai pas envie de déclencher des scripts, des cinématiques, des trucs du genre, donc j'évite de trop y aller non plus. Ça on l'avait fait, hein, c'était la première fois que j'avais découvert le fameux aliment de pierre et tout, là, il y avait l'espèce de camp avec les palmiers et tout, on l'avait fait aussi en vidéo. Donc en gros, on s'était arrêté par là, je crois. Là, j'avais vu qu'il y avait un camp, mais qui c'était trop haut niveau pour moi. Donc je n'ai toujours pas fait, parce qu'apparemment, je suis pas assez haut niveau. Et du coup, on s'est arrêté là. Donc j'ai pas mal farmé la zone, parce qu'ici, en fait, il y a des crocodiles et des hippopotames. Je m'attendais que ça soit super dur à buter, mais en fait, non. Les crocodiles, ça passe vraiment facilement. Les hippopotames, il y en avait certains qui étaient trop haut niveau. Donc c'était vraiment galère à les buter au début, mais maintenant, vu que je suis niveau 12, ça passe, quoi. Donc voilà à peu près. Donc tout ça, on aura l'occasion de revoir ça plus tard. Donc ce qu'on va faire, déjà d'une, c'est les aptitudes, parce que l'autre fois, j'ai oublié de le faire déjà. Et vous voyez que là, j'ai 7 points d'aptitude, donc il serait peut-être temps de les augmenter. Donc j'ai déjà un petit peu réfléchi à ce que je veux faire, et moi, il y a des trucs qui m'intéressent de ce côté-là. Donc côté clairvoyant. Ça, en gros, je m'en fous, mais moi, c'est surtout la suite qui m'intéresse, sauf que... pour l'acquérir, vous voyez, on doit d'abord acquérir celle-ci. C'est normal, hein, vu qu'il y a une petite ligne qui sépare les deux. Donc on va d'abord faire ça. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est vendeur. Donc c'est une capacité passive qui augmente le prix de vente de toutes nos marchandises animales et des babioles. Donc de 25%, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc ça aussi, oui, tout ce qui est à vendre, je m'en suis rendu compte, du coup, j'ai trouvé. Enfin, je sais plus si j'avais dit dans la vidéo précédente, mais je ne crois pas. En fait, on peut vendre ça, par exemple, chez le forgeron. Moi, c'est ce que j'ai fait, finalement. Donc, chez le forgeron, on peut vendre toutes nos babioles. Moi, je pensais que c'était des boutiques spéciales, parce qu'ils disent vendre dans une boutique. Et tu dis boutique, c'est pas forgeron, tu vois, c'est pas le même nom, quoi. Et finalement, tu peux vendre là-bas, donc c'est tout con. Et l'autre truc qui m'intéresse, c'est l'achat d'ingrédients. Donc tout ce qui permet d'acheter, donc par exemple du cuir souple, du cuir épais, du bois de cèdre, du fer, du cuivre, etc. Donc ça, je vais le faire, c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. Et après, alors ça peut être sympa aussi d'acheter des équipements plus rares dans les boutiques. Donc, je vais le faire. Et ça, on s'en branle pour l'instant. Champion d'apnée, pas trop fan. Après, il me reste que un truc, donc ça va aller vite. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a autour. Attaque surpuissante chargée, ouais. Détournement, ça coûte 2 points, donc c'est mort. Porteur d'armes. Ah, donc ça permet d'équiper une deuxième arme de corps à corps. Donc ça peut être sympa, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les arcs.
Ça veut dire que c'est chiant, à chaque fois tu dois aller dans menu équipement pour changer d'arc, c'est un peu le bordel. Je sais pas quelle est l'option, enfin où elle est. Porteur d'arc, d'accord. Donc je dois d'abord augmenter ça, et ça c'est recycleur de flèches, donc sur le bouclier. Donc je vais d'abord faire ça, et la prochaine fois du coup je débloquerai porteur d'arc. Voilà. Alors, je vais juste modifier ça parce que j'avais mis la capuche pour changer un peu, mais c'est vrai que je préfère largement quand même quand il a pas de capuche. Et ça me permet aussi de vous montrer donc mon équipement. Vous voyez, à chaque fois il y a des petites barres, des petits carrés blancs sur le côté pour voir où on en est dans la progression. Donc à la dernière fois, je pense que j'ai pas mal augmenté, hein. Je pourrais pas vous dire combien, je me rappelle pas exactement, mais il y a certains trucs, genre notamment gants de maintien. Et le brassard, je pense que c'est vraiment les trucs que j'ai augmenté le plus là ces dernières heures de jeu, on va dire. Et là, vous voyez que ça commence à demander de plus en plus de ressources, du coup, forcément. Et ça demande aussi d'autres types de ressources, notamment, bah là, vous voyez les petits trucs blancs, je crois, c'est graphite, voilà. Et graphite, bah apparemment, c'est que dans les camps militaires. Donc c'est un petit peu galère à trouver pour l'instant, mais c'est pour ça que j'ai fait l'amélioration pour acheter des ingrédients. Voir si on peut acheter du graphite. Ça se trouve ça coûte super cher, mais bon, on verra, hein, parce que là j'ai combien de thunes? 11 000, ouais. Donc pareil aussi, j'ai un petit peu amélioré mon équipement, parce qu'en fait on peut le passer, on peut le changer de niveau. Par exemple, si je vais chez le forgeron, si je veux augmenter le niveau par exemple de mon arc, c'est ce que j'ai fait avec l'arc notamment, et ben on peut l'adapter à notre niveau de jeu. Donc ce qui permet de garder toujours le même équipement si on le trouve sympa, par exemple parce que celui-ci il a des trucs intéressants, il a une vitesse de charge de 2 sur 4 je crois, c'est bien éclairé, et dégâts de coup critique 2 sur 4 par exemple. Donc ça peut être sympa. Mais pour tout ce qui est qualité, pour l'instant en tout cas je ne sais toujours pas. Enfin au moment où j'enregistre, parce que d'ici là on m'aura peut-être dit à quoi ça correspond. Donc on est à combien de temps? Attendez, ça avance vite, oui, donc il y avait ça aussi qu'il fallait que je fasse, je sais plus ce que c'est, je vais aller sur place, on va voir. Je vais faire ça parce que c'est pas très loin. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire dans cette vidéo, je vais essayer de régler toutes ces quêtes-là dans cette vidéo-là. Parce que ça permet d'XP plus, que là c'est vrai que je vous le cache pas, tout ce qui est mob, même ennemis, ça XP vraiment plus des masses. C'est très très long et du coup bah rien ne vaut les quêtes pour XP plus vite. Quoi. Alors c'est quoi ça? Parler. Medjay, approche grand guerrier. Je vends tout ce que tu veux. Si tu en as besoin, je l'ai. Si je ne l'ai pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Ruda s'occupe de toi dans ces terres désolées. Tu n'es qu'un enfant. Comment as-tu trouvé de tels trésors? Je les ai pris dans les sables du désert. Des vaisseaux engloutis par le Nil, raffinés par les servantes des dieux. Des armes forgées dans les mines de Nubie. Des bijoux de Perse et des trésors assyriens. J'ai tout ce que tu veux. Je vois. Tu as beaucoup voyagé pour quelqu'un de ton âge. Oh, tu sais, Neb, j'ai acquis la sagesse pendant mes longues nuits dans le désert auprès de mon dromadaire. Montre-moi ce que tu as. Viens, regarde. Si tu veux, Neb, j'ai aussi des tâches à te confier. Alors lui, c'est un putain de commercial, quoi. J'attendais pas tomber sur ce genre de type. Attends, c'est un gamin, il a quoi? Il a 10 piges. Genre, ça y est, il va t'apprendre la vie, quoi. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Le chameau... On va l'appeler comme ça, du coup, implique l'emplacement de Reda, le marchand. Reda propose un large éventail de marchandises très rares. Passez le voir régulièrement, car son stock change chaque semaine. D'accord, ça peut être sympa. Chaque jour, Reda propose une nouvelle quête afin d'aider une personne se trouvant dans une situation délicate. Réussissez dans le temps accordé et vous serez largement récompensé. Why not? Bon, interagir déjà. Alors, du coup, on va voir ce qu'il vend, parce que, bon... Ah, il vend du graphite! 3 000, 1 pour 20... Ah, on peut en acheter quelle unité? Grand max, on peut en acheter que 20, c'est ça? Coffre Eka... Putain, ça coûte super cher. Bon, après, le graphite, ça m'étonne pas. Hein. Quand tu vois qu'il y en a pas beaucoup, je me dis, bon, j'ai 11 000 de thunes, je savais que ça coûterait plusieurs milliers, quoi. Donc ça m'étonne pas. Mais le coffre Eka, par contre, je sais pas, c'est des trucs random, c'est le genre de loot box, en fait.
Ça, il me semble qu'on peut aussi les acheter en monnaie Helix, ils appellent ça, je crois. Vous savez, il y a une dimension un petit peu microtransaction dans cet Assassin's Creed, un truc que je déteste d'ailleurs, donc je risque pas de passer à la caisse. Et sinon, oui, bah, ça, c'est vendre mon équipement, mais bon, on va hésiter. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai quelques stocks. Ah non, les ingrédients de. Ouais, non, les ingrédients, on va pas les vendre. Que les marchandises animales, du coup. Enfin, peut-être tous les vendre d'un coup. Hop, voilà. Comme ça sera fait. Ouais, donc du coup, je vais quand même acheter du graphite. Je vais en acheter que 2 pour l'instant. Et apparemment, on peut en acheter que 20 maximum, quoi. Donc ça, je savais pas. C'est peut-être exprès pour même si t'es pété de thunes, bah t'es obligé de farmer un peu de ton côté. Enfin, faire des quêtes, des choses comme ça. C'est pas grave, on va voir du coup si je peux améliorer un truc ou pas. Il manquera peut-être des ressources, mais au moins j'ai du graphite. Ouais, j'ai pas encore assez, mais voilà, j'ai suffisamment de graphite pour au moins augmenter l'un de mes équipements. Donc après, on verra lequel. Peut-être le carquois, je pense que j'ai quand même pas mal de flèches. Je vais réfléchir entre la cuirasse et le gant de maintien. Alors, les flèches, je sais pas si j'en ai besoin, mais. Hop, ah, apparemment je suis plein. Il a pas de quête à me donner ou. C'est peut-être parce que je suis pas en ligne, parce qu'apparemment il parle d'une histoire de semaine, de jours. Et ça en général, ça vérifie peut-être en ligne, je sais pas. Donc, écoute, c'est pas grave, hein, on s'en fout. C'était l'histoire d'eux. Par contre, ils m'ont parlé de détruire une. Voilà, c'est ça. La statue de Ptolémée. Apparemment, il y a des statues à péter. C'est vrai que ça, j'étais passé à côté. Quitter le conflit. Déjà, je vois même pas d'où on fout la merde. Hein. Mais qui est-ce qui veut m'attaquer en fait? Je vois personne. Lapin? Mais gros, je suis à 10 km. Hein. Il se passe quoi là? Ils se battent avec qui? Attends, je vais leur casser la gueule. Hein. C'est quoi ce bordel? Ils attaquent la population? Ah non, ça c'est des. Attends, c'est des alliés ou quoi? Je sais pas. Je sais que c'était des mecs en bleu ou en noir. J'ai l'impression que c'est eux les méchants. Merde, putain, je bute des mecs qui sont pas de la même team quoi. Moi, je vais buter tout le monde en fait, j'ai l'impression. Voilà. Ah, du coup, ils veulent tous me ken en fait. C'est pas, je vais tous les buter, tant pis. C'était pas prévu. Légitime défense, on va dire. Même si c'est moi qui ai foutu un peu la merde, mais c'est pas grave. J'ai pas compris où ouais, les mecs qui se fightent comme ça. Il y a peut-être des conflits comme ça entre factions, je sais pas. Donc la fameuse statue de Ptolémée qui tient une tête. Une tête de je sais pas qui d'ailleurs. On va peut-être gagner de l'XP ou un truc comme ça. 150 XP, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'est fait. Et du coup, maintenant on va aller. Hop. On va prendre la monture. Voilà, hop. Et c'est parti. Donc c'est à 500 mètres. Bon, ça va assez vite hein, avec. Avec une monture finalement. Même si bon, je le redis encore, le sprint quand même, j'aurais bien aimé l'avoir quoi. Ah, il y a des petites. Pas des. Je sais même plus, c'est pas des antilopes, ils appellent ça comment, je sais plus. En plus, c'était pas très très long. J'ai peut-être dû le voir de mon côté, mais je me suis dit, je vais pas m'en approcher, parce qu'on dirait qu'il y a une quête. Et c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, même là, quand j'ai rejoué hier et avant-hier, pour moi, de mon côté, quoi. Quand j'ai exploré un petit peu, vous savez, la grosse zone, là, ici. Tout ça, voilà, c'était pas exploré. En fait, ici, c'est que des trucs haut niveau. En fait, je me suis juste promené comme ça, prendre les points d'observation. Mais c'était des trucs genre niveau 40 et tout, enfin c'est. Vous voyez là, niveau 40 quoi. Donc tu peux pas faire grand chose, t'as carrément pas le niveau pour, mais bon. J'ai exploré comme ça, vite fait, pour voir un petit peu ce qui m'attend. C'est vrai que c'est très très vaste et y a un endroit qui est assez sympa, où j'ai essayé de m'infiltrer.
J'ai quand même réussi une bonne partie, hein, mais il y avait tellement d'unités, et ils sont tous niveau tête de mort, quoi, que je me suis fait buter. Mais pour une petite indication, pour ceux qui ont joué au jeu, en fait, c'était une espèce de grande forteresse, on va dire, une grande ville fortifiée, romaine. Et il y avait un aqueduc, en fait, un aqueduc ou un viaduc? Non, je crois que c'était un aqueduc, à cet endroit-là, qui était en construction, en fait. C'était vraiment très vaste. Et là tu ressens vraiment la tension, le côté infiltration et tout qui est vraiment très présent. Et c'est vrai que bon, moi après je joue pas comme ça d'habitude. C'est vrai qu'en vidéo c'est un peu galère de jouer comme ça. Je le cache pas. C'est pas. Je regarde s'il y a des trucs à fouiller autour d'abord. C'est pas pratique en vidéo parce que les vidéos, bah plus t'en fais, plus bah, le jeu va durer longtemps quoi. Et c'est vrai que bah, t'aimes bien que ça avance quand même un minimum. C'est pas comme si tu jouais que pour tour. Donc t'as toujours ce problème là qui fait que bah j'ai plus tendance à rusher. Même si bon après moi et l'infiltration c'est pas un truc de ouf non plus. Hein. Vous le voyez dans tous les jeux d'infi que je vous ai fait, hein, que ça soit Metal Gear Solid ou Splinter Cell, c'est le même délire. Mais c'est vrai que j'essaie de la jouer un peu plus tranquillou quand je suis de mon côté. Alors du coup. Donc, alors, on va essayer de trouver le truc assez rapidement, parce qu'après, il y a aussi l'inclinaison de la caméra, des fois vers le bas, ça modifie un petit peu Papa, le truc. Pourquoi il y a tant de pauvres chez nous en Égypte, alors que ceux qui ne sont pas d'ici sont riches? L'Égypte a oublié qui elle est. Beaucoup préfèrent la richesse à l'honneur. À la fin, les deux leur échappent, et ils perdent la justice. Nous sommes des Medjay. Nous rendrons la justice et l'honneur à l'Égypte. Oui, mon fils. Nous n'avons pas oublié qui nous sommes. Nous sommes fidèles, quelles que soient nos origines. Amon, le roi des dieux. Divisé en deux formes. Amunet, la grande déesse de l'invisibilité, et le maître du vent. Il fait respecter la justice. Seigneur des ombres et du silence, il est la voix des pauvres et des modestes. Il entend les confessions des humbles. Et il leur pardonne. Alors, apparemment, je pense que c'est là, mais j'attendais que Bayek termine de parler pour éviter de couper. Ah, c'est ça. Amon. Le fameux. Et du coup, ça me fait 150 XP. Ok. Mais c'est bien, c'est bien. Donc on va faire ça. Hop. Et apparemment, là, il y a un truc piller le trésor. On va voir. Vu que ça à côté, je pense que je vais le faire aussi. Et après, on se téléportera du coup. Là où on s'était arrêté, en fait, la dernière fois, tout simplement. Alors je vais mettre... Je sais pas si je peux mettre... Ouais, ça va pas forcément prendre une bonne route. Parce que des fois, ça prend des chemins prédéfinis, en fait, comme s'il y avait des routes fictives de tracé. Surtout dans les étendues de sable, pardon. Parce qu'après, dans les villages, forcément, il y a des vraies routes, quoi. Elles sont matériellement représentées. Mais du coup, des fois, genre, au lieu d'aller tout droit pour aller au plus vite, en fait, il va faire des S ou des trucs comme ça, selon la manière dont ça a été fait, en fait. Ce qui est... Bah des fois tu perds un peu de temps quoi. Bon après c'est pas très très grave hein, mais quand on est en vidéo, on essaie de gagner quand même un petit peu de temps. Alors, est-ce qu'il peut sauter? Ouais c'est nickel. Donc là on va voir la fameuse guérisseuse donc, qui nous a guéri du coup au début du jeu. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Bah il y a que l'avait appelé dans la cinématique. Mais... J'ai un petit peu zappé le nom.
Hop, c'est parti. Rabia. Ah, Rabia. Mon cœur est empli de joie de te revoir, Asiwa. Tu as rendu la santé à Senou. Je ne m'attendais pas à la revoir. C'est une vieille coriace. Comme toi. Bayek. Ebzefa dit que tu fais de ton mieux pour guérir les villageois. Je serais ravi de pouvoir t'aider. C'est gentil à toi. Que ton cas soit béni. De l'aide, ça ne se refuse pas. Les soldats sont des brutes. Tous les villageois ont des coupures, des bleus, des os brisés. Pour les aider, j'ai installé une maison de vie de fortune dans le temple en ruine. On m'apportait des remèdes d'Imou, mais les soldats arrêtent tous ceux qui viennent au village pour les dévaliser. Alors, nous avons essayé de faire venir les remèdes par bateau. Mais les soldats les arrêtent aussi. Ils ont coulé ma cargaison. Les jarres de remèdes sont toutes éparpillées au fond du lac. Je vais te les rapporter. Merci, Bayek. Apporte-les au vieux temple. C'est là que je me rends. Le vieux temple. Pourrait être n'importe où dans le lac. Alors. Senou peut m'aider. Ah bah là. C'est parti. Alors comment on peut examiner ça? Parce que c'est dans le lac. Ça c'est l'objectif, mais ah, apparemment il y a un truc. Est-ce que ça serait ça? Des fois, voilà, ça change de... Ah, peut-être là. Non, ça, c'est une bestiole. Bon, écoutez, on va d'abord faire celui-là, déjà. Le vieux temple, je sais pas où c'est, mais on verra après. Salut, toi. Hop là. Toujours ça de prix. Donc ici apparemment il y a des trucs à piller et tout. What, t'es coincé? Bon bah écoute. Oh genre je t'ai loupé. Voilà. Parce que t'as décidé de bugger dans le coin. Au revoir. Sans état d'âme. Pas de pitié ici. Et ça c'est quoi? Ah d'accord, c'est un oiseau. Mais c'est vrai aussi, des fois, c'est nous s'amuse à buter des oiseaux comme ça, ou des fois des gazelles, ou des je sais pas quoi. Oui, je crois que c'est des gazelles en fait. Je retiens jamais le nom de ces. Mais juste le mob que j'ai buté avant. Ah ouais, carrément. Ok, ok. Alors, je sais pas si là, c'est là qu'il y a des cargaisons ou quoi. Pour l'instant, il y a de l'oseille. Ça étonnerait parce qu'en plus, il faut les rapporter. Donc, ça doit être des espèces de jars. Ah, ah jar de remède, objet de quête. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Ils mettent pas de compteur, donc j'ai l'impression qu'il y en a qu'une. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans le fond. C'est vrai que j'y étais pas allé à cet endroit-là, vu que c'était pas loin de la quête. Dès que c'est un truc. Dès que je vois qu'il y a une quête ou quoi de matérialiser. Ah, on voit les nôtres. J'essaie vraiment de pas trop m'avancer pour éviter ce que des fois il suffit que Bayek fasse des monologues, des choses comme ça. Bah si c'est ça de mon côté, bah vous allez les louper vous, donc j'évite vraiment de... Alors il y en a combien du coup? Trouver, rapporter les jars... J'ai l'impression qu'il reste plus que ça. Hein. J'ai dû faire le tour. On va peut-être remonter à la surface quand même, avant de claquer. Ce serait bien. Voilà. Je vais vérifier du coup dans le journal des quêtes. Alors. Bah je pense que ça doit être bon. Hein. Ouais c'est ça, rapporter les jars donc... Ouais c'est bon, c'est coché. Ok. Alors c'est où par contre? Rabia, 412 mètres, d'accord. C'est pas à côté. Alors si tu permets... Hop. Je te le rendrai plus tard. Voilà. Et déjà on va gagner du temps en passant par là. Mode turbo activé. Bon dommage c'est pas un aéroglisseur, sinon on aurait continué sur Terre. Mais... Malheureusement, on peut pas. Ah bah merde, je t'ai pété ton bateau, désolé. Alors je savais qu'on pouvait le casser, mais là je pensais pas qu'il allait péter direct en allant sur la côte.
que des fois, c'est quand on se fait taper plusieurs fois, genre. Les animaux, par exemple, peuvent le casser. Genre les crocodiles, à force de taper dedans, le bateau peut céder, par exemple. Ou quand on rentre dans d'autres bateaux, mais à plusieurs reprises. Mais là, bah, il a pété direct, donc. Désolé, hein. C'était pas voulu. Mais ça arrive. Donc ce temple-là, je sais plus si je vous l'avais vraiment montré en vidéo, mais on l'a surtout vu autour, peut-être pas l'intérieur. J'y étais allé de mon côté, c'est vrai que je fais pas mal de choses de mon côté, mine de rien. Vous allez vous dire que je vous loupez peut-être une partie du jeu. Mais... Après c'est difficile de tout montrer, hein, surtout dans un RPG. Mais... Bayek, Amon soit loué. Que s'est-il passé? Pourquoi il n'y a pas de patients dans les ruines du temple? Les soldats nous ont chassés. J'ai beau payer le nomarque pour utiliser le temple, à chaque lune, les soldats viennent prendre nos vivres et nos remèdes. Ce sont toujours les mêmes soldats. Ils appellent ça le tribut, un impôt pour l'armée royale du pharaon. Nous avons à peine de quoi prendre soin des pauvres âmes qui ont besoin d'aide. Les vautours. Ne t'en fais pas, Rabia. Je vais m'assurer qu'ils ne viennent plus vous ennuyer. Sois prudent, Bayek. Eh ben, ils vont payer le tribut de leur vie, hein, tout simplement, si je vais les buter. Donc apparemment, c'est là-bas, ça va, c'est à côté. Halt! Ne bouge plus! Ta gueule! Un problème! En plus, là, je suis au niveau, donc les mecs, j'ai double shot, quoi. Tu cherches quelqu'un? Bim! Hop, ça s'est réglé. Et il y en a pas mal en fait. Ce qu'il fait, l'Otis Bar. C'est un soldat ou c'est un citoyen? Non, c'est un citoyen. Ah, lui, apparemment, c'était peut-être le boss. Je sais pas. Ah, tu peux la choper. Alors, ils mettent des indicateurs, ça c'est sympa. C'est vite de chercher pendant 10 ans. Donc ce temple-là, je l'avais déjà exploré, c'est pour ça que je fais pas trop le scan. Voilà. Il risque plus de faire chier une fois mort. Hop. OP. Bon, les flèches, j'en ai repris. Et ça sera bon, je pense, pour cette quête, avant qu'il y ait encore un truc derrière. Ah, ils vont peut-être vouloir se venger, après tout. Sans... Bayek! Tu as réussi! Le temple est à toi. Vous n'avez plus à craindre ces soldats. Tous mes patients te remercient. Oh! J'ai failli oublier de te donner les remèdes qui étaient au fond de l'eau. Avec toute cette agitation, je les avais oubliés, moi aussi. L'oasis de Siwa a de la chance de t'avoir, Rabia. Promets-moi de ne pas te laisser consumer par la vengeance, Bayek. Je ne pense qu'à ça. Avec la grâce d'Amon, un jour, j'en serai libéré. 600 XP, ça fait plaisir. Collier et amulette de chat. Ok, c'est des trucs que je pourrais sûrement vendre. Je viens de constater l'épée de Bayek, parce que c'est vrai qu'on la voit souvent derrière, on se dit bon, elle a l'air simpliste. Mais le manche est vraiment sympa. Très joli. Je sais pas si c'est de la pierre précieuse, le bout bleu là, mais... Très stylé, je trouve. Donc, c'est nous. Tu te renvoles, s'il te plaît. Tu m'as pris pour je sais pas quoi, là, ton trépied. Alors ici, je pense que du coup, on est bon. Ça, c'est vrai que je l'ai peut-être pas fait... Ouais, je l'ai pas fait, ça. Mais je le ferai de mon côté, juste choper des trésors, bon... C'est pas un truc incroyable à voir, hein, c'est des trucs à fouiller. Et je crois que c'est OP ici. Donc on va se téléporter. Et puis du coup, bah, on se retrouve là-bas.
Donc nous revoilà sur place. Alors je me suis permis de faire une coupure, comme ça gagne du temps déjà en chargement, et en même temps on a frappé à ma porte pile à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon bah c'est nickel. Comme ça j'optimise les deux. Hop là, donc on redescend. Alors je sais pas s'il y aura des crocos là d'ailleurs, mais les crocos je les ai violés, hein. C'est vrai que là dans l'inventaire du coup je suis pas très plein forcément, parce que j'ai augmenté pas mal de choses, et je peux vous dire que les crocos, ouais là apparemment il y en a qu'on respawn par là-bas, vous voyez il y en a là, et ils sont pas au niveau 6, c'est rien du tout. Alors décidément, j'arrête pas de faire des cuirs, ça va être sympa au montage. Donc, vous voyez un petit peu ce qui... Non. Ah non, mais non. C'est quoi ce bug? Putain, mais... ça, c'est le genre de bug extrême qu'on voit sur YouTube et il fallait que ça m'arrive en vidéo, quoi. Ok. Il va se remettre par défaut ou il a décidé de s'envoler? En plus, il y en a deux, en fait. C'est ça qui a dû faire bugger, il y a une collision. Parce qu'il y a un bateau qui transporte, du coup, du fer... Et un bateau qui transporte des lions en cage. Putain, mais MDR le truc. Assister à ça. On va y aller, c'est obligé. Je suis obligé d'y aller. Faut que je vérifie. Déjà, je vais récupérer leurs ressources en plus. À moins que ça va se remettre là, vu que c'est il y a un petit temps de chargement. Ah non, c'est resté comme ça. Hein. Faut trop j'y aille, c'est énorme. Je vais voir s'il y a moyen de choper les lions et tout, ça va être le gros bordel. Putain, mais le genre de bug qui arrive tellement rarement en plus. Enfin, je dis tellement rarement. Il y a certains Assassin's Creed qui sont connus pour ce genre de bug. J'en avais vu des comme ça sur Assassin's Creed Black Flag. Il y avait des compiles. Des compiles, pardon. De bugs comme ça, de bateaux qui s'envolent et tout. Ou qui tombent dans les abysses. Genre, il y a une espèce de crevasse dans l'eau qui se forme totalement buggée. Mais là, dans Origins, pour le coup, je crois que c'est vraiment le premier bug violent que j'ai. Bon, j'avais été bloqué aussi avec la miss là, du présent. Je retiens jamais son nom. Je sais que c'est Hassan, son nom de famille. Alors, les types, ils sont où, là? Putain, le mec, il... Ah merde, putain, il va retourner sur la terre ferme, là, c'est trop tard. J'essaie de choper d'abord. Putain, mais c'est énorme. Parce que normalement on peut pas les couler les bateaux, enfin en tout cas j'ai pas compris ça quoi. Putain mais c'est énorme quoi. Y'a que ça à dire. L'autre il fait sa vie au-dessus. Alors du coup ça se passe comment pour les lions en fait? Ils sont un peu sous l'eau quoi. Ça va, vous avez pas de problème d'oxygène les lions là? Ah non, je le vois même pas, c'est plus par là-bas. Attends, je reconnais pas, il y a plusieurs cages normalement. Il se passe quoi là? Vas-y, genre il vient me faire chier, mais il est dans l'eau, il est à l'intérieur du truc, qu'est-ce que tu veux toi? Mais il n'y a pas de lion, ils sont où? Je comprends pas. Attendez, là il y a un type qui est coincé. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas, je crois que la cage a dû se barrer en couille et... Et voilà, quoi. Je sais pas. Bon, je crois qu'on va lâcher l'affaire parce que là, ça part tellement en steak, ce bordel. Par contre, j'arrive à me barrer d'ici. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Le mec, ça fait des grilles. Fatigue ? Putain, mais lol, quoi. Il est képo dans la cale, lui, en fait. Énorme. Franchement, énorme. Le fait de filmer ça, c'est quand même énorme. On pourrait presque dire que j'ai eu de la chance d'en capturer un bug comme ça. Ça aurait pu m'arriver hors vidéo. Ça aurait été con, quoi. Je vous l'aurais pas montré. Enfin, même si c'est vrai qu'il y a un système de capture vidéo sur PS4. Donc peut-être qu'en remontant dans les derniers trucs, même si j'ai jamais vraiment compris comment il fonctionne, ça prend les dernières minutes. Mais... C'est pas... C'est bizarrement foutu. Non, je préfère vraiment ma méthode d'acquisition. Ouais, enfin, on verra. Je m'en bats les couilles de ton mari. Je vais d'abord récupérer le fer. Ouais.
Putain, mais il va jusqu'où le type comme ça? Il a, genre, il a trouvé un but dans la vie, quoi. Il a quitté son navire, mais il a trouvé de quoi remplacer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène, le type, mais... Mais ouais, je sais pas où il veut aller, en fait. Toi, tu vas crever. Quoi? Putain, il m'a bien fait mal. Enfin, visuellement, parce qu'après, bon... Aïe. Hop, lui, il a pas le même nombre de vies. Aïe, putain, il enchaîne. Je pensais qu'il faisait plus partout, moi. Ouais. Au revoir. Pareil. La chousse. Hop, voilà. Bon, c'est bon, non? On va y arriver. Encore un mec, là. Neutralisé. Boum. C'est vrai que ça c'est XP plus quand on fait ça, faudrait que j'y pense. Donc, je crois que on va faire cette quête là finalement, parce que retourner là-bas, je vais perdre mon temps encore. Bon, je vais sûrement le faire en chemin, on verra. Je vais d'abord faire ce qu'il y a de plus proche. On va optimiser un petit peu les déplacements, ce serait cool. Cela, on est bientôt à 40 000, je pense, avec la coupure, on y est peut-être déjà. Donc on va essayer de faire une quête, ça serait déjà bien. Si tu refuses de le chercher, mon mari va mourir. Bah, qu'est-ce que tu veux? Si j'étais pas là, tu ferais comment? Ça, la grande question. Bon, ton mari, il est où? Raconte-moi ta vie. Mais Jai, aide-moi, je te paierai. Qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, mon mari Claudius a pris le bateau pour aller voir les ruines de l'autre côté du lac. Il n'est pas revenu. Ces brutes refusent d'aider une épouse angoissée. Je t'en supplie. Je vais le chercher. Fais vite. Je vais t'attendre ici. Alors elle dit qu'elle va me payer, mais je sais pas, hein. Moi je veux pas faire du jugement de valeur, mais quand je vois ça dégaine, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'elle me paye, tu vois. Ouais, elle va vraiment pas me payer cher, mais bon, c'est pas grave. On va le faire, c'est une bonne action. Alors, hop. Alors est-ce que c'est sur l'île? Ah bah c'est nickel, ça me retourne là-bas. Est-ce qu'il y a moyen que... Il y a un bateau là-bas. Parce que sinon, en nageant, ça va prendre 10 ans. Donc voilà, on va prendre un petit bateau. Hop. C'est parti. Et du coup, je vais enchaîner la quête qui est là-bas en même temps, sur place. Ça se trouve, elle est même liée, je sais pas. Je pense pas, parce que vu qu'il y a des points d'exclamation à deux endroits... Je pense que ça veut dire vraiment deux quêtes différentes, à moins qu'elles sont liées. Il y a peut-être une histoire de quêtes liées aussi, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment là? Parce que là, il me dit encore 200 mètres. Si, ouais, ça a l'air d'être là. Ah, et puis du coup, faut chercher avec ses noms. Ah, apparemment, c'est par là. Ah d'accord, le mec, il est sur les piliers. Ok. C'est quoi, ce senti? Ah non, c'est un... J'allais dire un dinosaure. En quelque sorte, on peut dire ça. C'est un croco. Arrête de bouger. C'est vrai, quand ils sont dans l'eau, par contre, c'est... Moi, je les attire sur terre pour les dégommer. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est très simple, d'ailleurs. Ça me permet de vous montrer. On a d'autres ou... J'ai l'impression que du coup il s'est mis sur le pilier parce qu'il est en galère en fait. Il y a des crocos qui foutent la merde. Je pense que c'est Claudius. C'est ça. Qui c'est qui me parle? Les crocodiles peuvent parler? L'Afrique nous surprendra. Il dit vite, attaque, attaque. Je crois que je vais... Les crocodiles sont morts.
Maintenant, je dois demander à Claudio ce qu'il était venu faire ici. Il m'a l'air d'être un peu bourré, le mec. J'ai l'impression qu'il s'est bourré la gueule et il est arrivé juste ici. Pourquoi les as-tu tués ? On venait de se rencontrer. Claudios, tu es ivre. Oui, c'est moi. Eh non, c'est faux. J'ai à peine bu 2 ou 10 bières. Très bien. Je vais te ramener à ta femme. J'ai une femme ? Oh, c'est ma mère qui va être contente. Ah ouais, lui, dans le genre torché, il est pas mal quand même, hein, parce que... Au fond, entre 10 et... entre 2 et 10 pierres, il y a un souci. Il me suit dans l'eau, ça se passe comment, là ? Ça va finir en cacahuète, ça. Au pire, j'ai un bateau pas loin, mais... Alors surtout, si vous avez un mec qui est bourré comme ça chez vous, ne le faites pas aller dans l'eau, c'est la meilleure idée pour s'en débarrasser. Le mec qui va se noyer. Bon, je pense qu'il va me suivre dans le bateau, ce serait cool. Alors là, vous voyez qu'il y a un autre bateau qui se plante, ça c'est un truc qui se fait un peu automatiquement pour nous aider. C'est que des fois, voilà, quand on a une grande étendue d'eau, qu'il n'y a rien autour, bah il y a toujours un bateau qui vient nous aider comme ça. Et après, bah, c'est à nous de le prendre. Nickel. Allez, retour au bercail. Alors j'espère que c'est sa femme, ça se trouve c'est une blague, hein. Ouais, c'est juste quelqu'un ici, qui s'inquiète pour lui. Je voulais... Je me souviens plus très bien. Je suis venu d'Alexandrie pour la fête. Et quelqu'un, je sais pas qui, m'a offert à boire toute la nuit, gratuitement. Impossible de résister. De quoi on parlait ? De ta venue ici. Ah ! Oui, c'est ça. Je me suis réveillé ici. Entouré de tous ces crocodiles. Dis-moi, ils peuvent vraiment parler ? L'Égypte est une terre de magie et de mystères très anciens. Incroyable. Mes amis de la ville ne vont jamais me croire. Par contre, dis-moi, tu n'avais pas parlé d'une femme ? Oui, de la tienne. Ah, là, je suis un peu perdu. Comment pourrais-je avoir une femme ? Je suis vierge. Enfin, je crois. Putain, le mec, il est complètement pété. Ne me dis pas un mot de plus. Tu verras ça avec ta femme. Mais après, je commence à m'inquiéter parce que je vais mettre pouce parce qu'il arrête pas de parler, il me casse les couilles. Je commence à m'inquiéter parce que le mec, il partait à l'opposé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est en train de bugger ou quoi ? Je sais pas, quoi. Mais vous savez, ma suite. Ah, tais-toi. Allez, ferme ta gueule. Te voilà, mon chéri. J'étais morte d'inquiétude. Oh, par Dionysos, je me rappelle. C'est à cause d'elle que je suis partie sur cette île. Elle m'a fait boire, elle m'a épousé, et elle m'a dit que je lui devais un impôt de virginité. Mais celle de qui ? Toi, va-t'en. C'est une affaire entre mon mari et moi. Non, 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 ne pars pas. Ils vont me tuer. Montrez-lui ce qu'on fait à ceux qui veulent tromper une femme. T'en prie, aide-moi. Oublie-le, ce n'est qu'un crétin. Mes frères, voilà. Tu as tué mes frères. C'est moi que tu devais aider, pas lui. Ah merde. Parce qu'il y avait genre un choix multiple dans cette quête. Ça c'est vrai que là du coup j'aide un grec, de ce que j'ai compris je pense. Enfin, quoique c'est peut-être un roman, mais... Non, je crois que c'est un grec, non, il l'a pas dit, le mec, je sais plus. Parce que là, du coup, j'aide pas la population locale, en fait. Putain, ils vont me faire baliser, là, en fait. Je savais pas qu'il y avait une histoire de choix, moi. Attends, trouver Claudios, machin, tuer un nain, ok, ramener, défendre Claudios. Non, je pense que c'est la suite logique, hein. Je crois pas qu'il y ait de quête... Au pire, vous me le direz dans les commentaires pour ceux qui ont joué, mais s'il y a vraiment des quêtes, voilà, à double choix, entre guillemets, vous me le direz, parce que c'est vrai que là, ça m'a un petit peu perturbé, cette séquence. Mon ami, je te remercie. Tu as sauvé ma vie et ma bourse. À l'avenir, réfléchis avant de boire avec des inconnus.
Voilà, j'ai peut-être level up avec ça. Nickel, niveau 13. Impeccable. Alors je vais repartir et je vais faire la fameuse quête qui était sur l'île du coup. Parce que j'ai oublié de l'accepter, ce qui n'est pas malin de ma part, je sais. Mais je m'attendais pas à voir un mec bourré aussi attaqué par des crocos, du coup je vous avoue ça m'a perturbé. Alors c'est où? C'est là-bas. Alors on dirait que les bateaux se sont remis à flot. C'est une bonne chose. Ça fonctionnera sûrement un peu mieux, je pense. Ils attaquent à vue par ici. De toute façon, on va pas les chercher. Après, je pense que ça sera bon. Niveau 13, c'est déjà bien. Hein. Je pense que j'ai pas mal XP. Parce que je crois que la dernière vidéo, on s'était laissé. Je vais être niveau 9, non? 10, je pense, un truc comme ça. Donc, je pense qu'on est pas mal, hein, quand même. Alors, je sais pas du tout c'est quoi cette quête. Il y a même pas de bonhomme sur place, en fait. Donc, je suis curieux de voir ce que c'est, en fait. Une scène de mort. Je dois en savoir plus. Ah d'accord, genre, on va enquêter, quoi. À niveau suggéré, 17. Ah merde. C'est peut-être pas une bonne idée, du coup. Y a-t-il eu une cérémonie impie? Tout ce sang fait penser à un terrible massacre. Mais les éléments ont effacé la plupart des traces. Ouais, mais encore? Y a-t-il eu une cérémonie impie? Ouais, non. Ah ouais, d'accord, il y a plein de trucs à fouiller, en fait. Les fragments d'un message. Impossible d'en saisir le sens. Je parle pour la déesse et la déesse parle à travers moi. Elle est assise sur ma langue et mon aiguillon et son aiguillon. Elle a le visage du scorpion, du serpent et de l'araignée et je porte sa marque. Je prends son nom car le mien était terne et poussiéreux. Je lui rends honneur dans l'espoir qu'elle me montre les mystères. Je parle pour la déesse et vous parlez pour moi. Ok. Encore un alcoolo. Sekhmet, la déesse des chasseurs. Il y a des éraflures ici, au-dessus du ventre de la statue. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que je vois surtout, c'est un pied, quoi. Donc, sans pression. Pourquoi pas? Des traces de sang, un peu de chair. Il y a eu un cadavre ici. Mais les crocodiles l'ont dévoré. C'est peut-être ça le fond de l'histoire en fait, des crocos qui auraient attaqué des gens peut-être. Un couvercle de sarcophage. Il est orné d'un symbole, mais il est trop abîmé pour que je le déchiffre. Étrange. Okay. Si j'avais d'autres informations, je pourrais comprendre. Mais puisqu'il a été mangé par un crocodile, je dois trouver d'autres choses qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Est-ce que Céline pourrait m'aider dans tout ça? Parce qu'à part des crocos sur style que j'ai bien farmé d'ailleurs, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre en fait. Je vais voir, il y a peut-être d'autres indices plus haut. Ou peut-être dans la planque là-bas, parce que c'est vrai que j'y étais allé moi de mon côté là. C'est cassable en fait. Il y a des objets à récupérer de là-dessus. Ah, comme par hasard. Ah voilà. C'est comme par hasard, ça veut pas casser. Vas-y, descends, bonhomme. Voilà. Il n'y a pas d'indice ici par hasard. Non. Essaie encore. J'ai aucun marqueur en fait, donc je sais pas. Tout à l'heure il y avait des marqueurs, donc tu te dis bon voilà, il y a ça à examiner, mais là en fait.
Y'a rien quoi. Je crois qu'il y avait une carcasse de bateau ou un document à lire dans le coin. J'avais vu ça quand j'avais farmé, ouais, je crois que c'est ici. Peut-être que ça va m'aider pour l'histoire. Voilà comment je ken du crocodile à gogo. Alors je crois que c'est Shirohito, tu disais... tu te demandais si on pouvait farmer autant qu'on veut... Alors en fait, ça se veut quand même réaliste dans le sens où les mobs ils te respawnent pas dans la guerre. Et en fait si tu restes dans la même zone, pour le peu que j'ai essayé, en tout cas pendant plusieurs heures quand même, mine de rien, ça respawn pas comme ça. Hein. C'est genre par exemple à côté de Siwa, donc il y a un grand lac et un petit lac, et le petit lac en fait, quand je faisais tout le tour, ça finissait par revenir, voilà, il y avait quelques animaux par-ci par-là qui revenaient. Mais voilà, ça respawn pas genre à fond, direct, tu peux pas farmer vraiment la même zone, faut bouger un peu. Et c'est ce que je faisais en fait, j'ai alterné un petit peu avec la montagne et puis... Et l'eau, et là c'est pareil en fait, les crocos il y en avait pas mal autour de l'île, mais quand tu les as tous butés ils sont plus là, du coup j'allais là-bas, parce que là-bas il y a des hippopotames, et après quand il n'y a plus d'hippopotames j'allais là-bas, où il y a tout ce qui est gazelle et compagnie. Et des fois il y avait quelques crocos, mais sans plus, alors du coup des fois je me cassais, j'allais carrément à Siwa, et je revenais ici, puis ça finissait par revenir en fait. Ouais c'est ça ce document que j'avais lu. Note d'expédition, mais apparemment c'est pas en lien parce que la quête il n'en parle pas. Je vais peut-être la suivre d'ailleurs, comme ça peut-être qu'il n'y aura pas de soucis parce que... Sinon je risque de la zapper. Alors apparemment site cérémonie trouvé dans l'univers. Ah tu veux me dire c'est pas forcément sur place que j'ai trouvé le reste? Parce que si c'est ça, c'est pas la peine. Je vais voir un truc qui pourrait me faire penser que c'est ça. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a eu un carnage. Vu que je connais assez bien l'île, maintenant, il y a un moment... Je sais plus si c'est... Ouais, c'est par ici, peut-être, non? Non, c'est peut-être pas là. Peut-être plus par là-bas. Normalement, il y a un endroit où il y a pas mal de... de crocos encore, et c'est cassé... Et des trucs un peu pétés quoi. Non, ça c'est Loyal Bateau. Bah merde. C'est ça peut-être. Non, il me semblait que c'était autrement. Hein. Bon, je vais retourner là-bas. Mais... J'ai l'impression que c'est un peu mort hein, ce truc-là. Il y a peut-être plusieurs temples en fait à trouver avec les cérémonies. Et on finira par trouver. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est niveau 17. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas mener quelque part tout ça, tant pis. Alors, on est quand même assez avancé dans la vidéo, donc on va pas pouvoir faire grand chose de plus. Néanmoins, je pense qu'on peut quand même aller par là-bas. Parce que notre objectif, je vous rappelle, c'est d'aller à Alexandrie. Voilà, c'est là. Donc on est pas loin, hein, c'est juste à côté. Donc je pense que ce que je vais faire là, c'est me préparer pour aller là-bas, explorer cette zone-là que j'ai pas encore faite, je suis pas rentré dans ces lieux-là. Même si peut-être que j'y ai passé vite fait en amenant le mec bourré, encore pas sûr, je crois que c'était plus par là la quête. Mais bon. On va essayer de faire ça. Et puis après on ira à Alexandrie, je prendrai le petit point là d'observation. Et celui-là aussi au pire. Et voilà. Donc je vais aller là-bas déjà. Hop. On va prendre un bateau s'il y en a un. Ah, il y en a un là-bas donc c'est bon. Et puis on va s'arrêter là parce que mine de rien on arrive bientôt à une heure. Ça va quand même être sympa le plot tout ça. Surtout que les vidéos d'Assassin's Creed sont assez lourdes. Vu que c'est très coloré, il y a beaucoup de luminosité. Souvent c'est du 4, ouais, du 4 Go facile de vidéo. Et quand je fais une heure, c'est du 4 Go 5. Hein.
Donc c'est assez lourd. C'est assez lourd par rapport aux vidéos plus traditionnelles où ça prend environ 3 gigas. Oula. Ok, super. J'ai voulu faire une roue arrière. Avec un bateau, ça passe moins bien. Alors, y a-t-il quelqu'un qui va venir me sauver? Ah, voilà, y en a un qui arrive. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique, ça, j'avoue, c'est... ils ont bien pensé le truc. Parce que quand t'es dans l'eau, c'est le genre de truc qui casse les couilles dans un RPG. Donc là, ça, ils ont bien prévu leur coup, et y a toujours un petit mec qui vient nous aider. Ça fait plaisir. Alors, j'ai évité de rentrer dans le bateau, ce serait cool. Je suis en train de repenser au bug des deux bateaux là. Je sais pas si en faisant les patchs j'aurais esquivé ce bug là ou quoi. C'est vrai que vu que je fais pas forcément les mises à jour, hein, quand je, comme je vous ai dit, c'est tellement long que pour l'instant je m'en branle un peu, mais bon. Faudra bien que je l'efface un jour, mais pas pour l'instant. Pardon monsieur. Donc ouais, cette zone-là, j'ai pas vraiment exploré encore. Il y aura peut-être des choses à fouiller. Bon, je sais pas si on ramasse truc, mais il faudra regarder. En tout cas, ça a l'air d'être assez joli. Ça, c'est peut-être l'entrée de... Enfin, c'est peut-être une espèce de portail d'Alexandrie. Non, c'est juste un temple. On dirait que ça donne à l'extérieur là-bas, non? Ou c'est un tissu? Ah non, c'est un tissu, ok. Je crois que c'était une sortie à l'extérieur. Ok, ok. Bon, ça, de toute façon, on verra dans la vidéo suivante. Donc en espérant en tout cas que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter. Et puis on se retrouve du coup la prochaine fois pour l'épisode 8 d'Assassin's Creed Origins. Voilà, allez, à plus.